Fin octobre, les élèves du collège Leroy Gourhan ont voté pour élire leurs délégués de classe. Mais au fait, comment vote-t-on? Normalement, on convoque, on fait une heure d'avis de classe, on explique quel est le rôle des délégués à tous les élèves de la classe. Ensuite, il y a des élèves volontaires qui se présentent, qui expliquent un petit peu ce qu'ils peuvent apporter, pourquoi ils veulent être délégués. Après, on fait un vote, voilà, on vote démocratiquement avec un petit papier. Le vote est anonyme et tout le monde le fait. Et c'est comme ça qu'on élit les délégués. Il y a les délégués car il faut que les élèves soient représentés. Comme dans une démocratie, on ne peut dialoguer avec l'ensemble des membres du collège. Être délégué, c'est représenter la classe dans du conseil de classe. Et c'est dire, par exemple, si un élève nous a dit qu'il avait des problèmes, et ben, on dit au professeur. Par l'intermédiaire de leurs délégués, les élèves peuvent s'adresser au nom de leurs camarades pour tout problème concernant leur vie au collège. Le vote a été envers une personne en qui j'ai confiance pour ses capacités à nous représenter lors du conseil de classe. J'ai voté pour une amie en pensant qu'elle représenterait bien la classe et qu'elle serait une bonne déléguée.